Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui c'est un petit concept qui reprend un concept qu'on a déjà plus ou moins fait l'année dernière, mais qu'on a plus ou moins stoppé parce que finalement ça n'avait pas trop de sens de faire ça tous les mois. Donc peut-être qu'on reprendra la chose mais avec des mois d'écart. Cette vidéo, c'était les musiques les plus écoutées du mois. Et en fait, c'est vrai que le problème, c'est que en général, d'un mois à l'autre, c'était quasiment le même top. Du coup, on s'est dit, on va pas se foutre de la gueule des gens et puis tous les mois remettre la même chose. Même si techniquement, si tous les mois on réécoute le plus les mêmes musiques, et c'est vrai que le top devrait être le même. Mais du coup, ça nous plaisait pas trop de faire ça. Du coup, on a arrêté ces vidéos-là. Peut-être qu'on le refera de temps en temps quand le top aura suffisamment changé pour qu'il y ait soit des nouvelles musiques ou des anciennes musiques qu'on se remette à écouter. Par exemple, là, moi, j'écoute en ce moment beaucoup de Seventeen, alors que Seventeen, c'est un groupe quand même assez ancien comparé à d'autres. Donc voilà. Et du coup, ça, peut-être que ça reviendra de temps en temps, mais en tout cas, ça reviendra pas tous les mois absolument, parce que par exemple, là, au mois de janvier, enfin plutôt au mois de février, j'écoute exactement les mêmes musiques qu'au mois de janvier, ça n'a pas trop de sens de refaire la même vidéo au mois de février. Bref, le truc, c'est que là, cette vidéo-là qu'on va faire, ce nouveau concept, lui, il va marcher tous les mois. Ce sera pas forcément directement le premier du mois parce que faut le temps de récupérer plein de choses, de revoir tous les Instagram des gens, puisque le concept c'est que je vais vous partager les meilleures photos Instagram. Alors pas les meilleures photos dans le sens où ce sont les meilleures photos qui traînent sur Instagram, c'est les meilleures selon moi, enfin celles que j'ai préféré voir dans le mois. Et du coup forcément c'est forcément centré sur la Corée. Donc ça va toucher aux idoles de K-pop et aux acteurs et actrices de drama coréen. Donc principalement pour l'instant, et du moins dans cette vidéo, de Sweet Home, My Name, All of Us Are Dead et de Squid Game. Donc des acteurs que j'aime bien et tout. Et puis les groupes, vous avez une tier liste de mes groupes préférés à idoles qui viendront sûrement le mois prochain. Donc vous savez à peu près, même déjà avec... les anciennes vidéos, vous savez déjà à peu près ce que j'écoute. Et du coup, le truc, c'est que je reparcours tous les Instagram, alors soit des groupes, soit des artistes solo, entre guillemets, enfin des comptes perso. Par exemple, je prends l'exemple des Oh My Girl. Les membres de Oh My Girl ont tout un compte Instagram perso, donc je regarde pas les photos qu'il y a sur le compte d'Oh My Girl, mais sur chacune de leurs comptes perso. Et du coup, je fais ça avec tous ceux dont c'est le cas. Donc, par exemple, Blackpink, EXO, BTS. Il y a qui d'autre comme ça, les G-Idol, les Dreamcatcher depuis le mois de janvier, les Monster X, donc les Seventeen notamment, que je parlais plus tôt. Donc tous ceux qui ont des comptes perso, du coup je regarde uniquement leur compte perso et pas le compte du groupe. Et ceux par exemple comme Twice, aespa, les Pixies notamment, les Dreamcatcher, Everglow, tous ces comptes comme ça qui eux n'ont pas de compte personnel, enfin les artistes n'ont pas de compte personnel, par contre là j'ai regarder toutes les photos qui étaient sur le compte du groupe. Et du coup, j'ai regardé tous du 1er janvier au 31 janvier dans le cas de cette vidéo-là. Après, ce sera du 1er février au 28 février, et puis du 1er mars au 31 mars, et puis ainsi de suite. Et du coup, à chaque fois, j'ai enregistré les photos qui me plaisaient le plus, que moi, j'ai adoré voir. Parce que, comme je vous disais, tous ces artistes-là, c'est des gens que je riposte sur différents comptes fans. Donc, forcément, je suis habitué à les voir tous les jours. Enfin, quasiment tous les jours. Et du coup, après, moi, je les ai revus. Ceux que j'avais vraiment bien aimés, je les ai enregistrés. Après, là, je vais prendre des captures d'écran parce que j'en suis à cette étape-là du travail. Il ne me reste plus qu'à prendre les captures d'écran, après faire le montage et puis vous donner la vidéo. Du coup, au niveau des captures d'écran, vous aurez un truc, juste la photo, en fait, avec le nom du compte, comme ça. Si vous n'étiez pas abonné à ces comptes-là, vous ne connaissez pas ces artistes-là, mais vous avez bien aimé le genre de photos qu'ils peuvent prendre et tout ça, au moins vous avez le nom du compte et vous pouvez aller sur Instagram suivre tous ces artistes-là.
Et voilà, du coup, ce sera comme ça. Il y aura de la musique en même temps dans les vidéos. Alors, j'espère que celles que choisiront ne vont pas bloquer ma vidéo, mais en général, je prendrai des photos qui colleront avec les. Enfin, des musiques qui colleront avec les photos et tout. Voilà, par exemple, si la première photo. Je sais que la première photo, normalement, ça va être les Oh My Girl. Enfin, une photo de Oh My Girl, donc je vais mettre une musique de Oh My Girl. Si la musique elle s'arrête sur une photo, je sais pas, de BTS, bon, on va mettre une photo de musique de BTS. Si ça s'arrête sur du Twice, bon, on va mettre une musique de Twice. Enfin, voilà, vous avez compris le concept. Du coup, voilà, l'intro elle est un peu longue pour le genre de vidéo que ça va être, mais c'est juste histoire d'expliquer ce concept-là. C'est-à-dire qu'en général, les prochaines fois, je ferai juste une petite intro comme ça, histoire de parler vite fait. Voilà, et puis ensuite, je balancerai juste les photos avec de la musique, et puis vous aurez juste à kiffer tout ce que moi j'ai adoré voir sur les Instagram de mes artistes coréens préférés, que ce soit dans la musique ou dans les séries télé. Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo là et maintenant je vais vous laisser profiter tranquillement avec tout ce que j'ai aimé au mois de janvier sur Instagram. Voilà, à très bientôt les Incalyptiens et j'espère que vous passerez un très bon moment devant cette vidéo. Ciao!
네 맘대로 들었다가